Bien, mes chers collègues, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Deux précisions pour commencer. D'abord sur la tenue de nos réunions. La question ne se pose pas pour la semaine prochaine, puisque vous le savez, en raison du congrès de l'Association des maires de France, on vous proposera d'organiser une délégation. Vous avez dû recevoir un message en ce sens, principalement d'ailleurs organisé pour le mercredi après-midi. Même si j'interviendrai le mercredi matin, mais vous n'êtes pas obligé d'aller écouter votre président dans un débat sur la difficulté ou les capacités à faire des élus aujourd'hui. Et puis, en revanche, le fait nouveau, c'est que dans 15 jours, nous ne pourrons pas tenir sur ce créneau habituel de 13h30 le mercredi notre réunion, puisque vous le savez, la décision a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale de positionner désormais des séances de questions au gouvernement de 14h à 14h45 les mercredis, décision sur laquelle je ne m'étendrai pas, et il est également prévu, et c'est du moins ce que les présidents de groupe nous ont indiqué, qu'aucune réunion institutionnelle ne se tienne sur ce créneau, ce qui va nous obliger, au moins jusqu'à la fin de cette expérience que nous espérons peu concluante, jusqu'au mois de février, à choisir un autre créneau. Et à cet égard, je vous proposerai qu'on se réunisse à 15h le mercredi. Je sais que ce n'est pas forcément plus pratique, que ça pourra créer des difficultés. Mais après avoir tourné les choses dans tous les sens, sans avoir convoqué le bureau, je l'assume, mais je pensais que c'était difficile. Il fallait prendre une décision d'ici à 2 semaines, d'être plutôt sur ce créneau de 15h le mercredi. Et la deuxième précision que je souhaitais apporter, c'était bien sûr qu'aujourd'hui, on aurait une séance en deux parties. La première partie de notre séance, jusqu'à environ 13h45, 14h, sera consacrée à la présentation du rapport au fond qui a été fait au nom de la Commission des finances sur les crédits de la mission RCT. Oui, je vois Christine qui fronce des yeux plutôt 14h15, oui. Sur les crédits de la mission donc, des collectivités territoriales, et j'accueille avec beaucoup de plaisir nos deux rapporteurs au fond, les deux rapporteurs donc, de la Commission des finances, Marina Ferrari, qui est membre de cette délégation, et Joël Giraud, qui connaît évidemment bien les sujets budgétaires et en particulier des collectivités territoriales, en raison du poste qu'il occupe aujourd'hui, mais de ceux également qu'il a exercé par le passé. Donc merci à eux, c'est aussi un format nouveau. Vous vous souvenez que l'an dernier, il y avait eu une forme de rapport, mais qui avait été présenté assez tard, encore plus tard qu'aujourd'hui, dans la discussion budgétaire. Donc on avait fait le choix, avec le bureau, plutôt d'inviter les rapporteurs au fond, faisant aussi l'hypothèse que même pour les membres de la Commission des finances, et il en est ici, l'exercice pourrait peut-être être un peu différent que celui qu'on a dans la Commission des finances. Et puis le deuxième temps, ce sera la présentation du travail et de la communication de Christine Pires-Beaune sur le filet de sécurité, c'est-à-dire ces dispositions mises en œuvre par l'État à partir de la fin de l'année dernière pour essayer de protéger les collectivités les plus fragilisées, d'une part par la hausse des prix de l'énergie et d'autre part par la hausse du point d'indice. Et on pouvait difficilement le faire auparavant puisque, vous le savez, les sommes définitives qui seront versées au titre de ce filet de sécurité, y compris celles qui pourront être qui venir en plus des avances qui ont parfois été demandées ou en moins par rapport à ces avances, ont seulement été communiquées il y a quelques semaines, je crois, il y a 3 semaines environ. Voilà. Donc c'était il n'y a pas très très longtemps et c'est le bon moment probablement pour le faire. Quelques mots donc d'abord pour introduire la première partie de cette réunion sur la mission RCT. Je la situerai dans le vaste ensemble que constituent les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, qui sont évalués à 158 milliards d'euros en 2023. La mission RCT, pour ce qui la concerne, regroupe les crédits d'intervention qui sont destinés principalement à soutenir deux types de dotations. D'une part, les dotations qui viennent subventionner des projets d'investissement locaux, avec certaines dotations qui sont libres, et d'autres qui ne le sont pas et qui correspondent à des réponses, à des appels à projets. D'autres encore qui ont vocation à être attribués à des collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques. Et d'autres, enfin, à des collectivités qui ont besoin d'un soutien exceptionnel de l'État. C'est le cas, par exemple, du plan Marseille en grand ou de la dotation exceptionnelle au département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du protocole d'expérimentation de la recentralisation du RSA. Ces dotations sont dynamiques et elles
correspondent au soutien de l'État, à l'investissement local ou à l'expression de la solidarité nationale. Et puis, il y a une deuxième dimension qui sont celles dont on parle le plus souvent, c'est-à-dire les dotations de compensation des transferts de compétences ou de perte de recettes fiscales liées à des réformes antérieures. Et en général, on est là sur des montants qui sont moins dynamiques que les premiers. Au total, pour cette mission, on est sur un montant global de 4,2 milliards d'euros, soit 3% des transferts financiers et environ 8% des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. C'est en quelque sorte la partie émergée des finances locales dans ce budget. Et évidemment, les discussions qu'on pourra avoir avec nos rapporteurs se feront aussi à l'aune de ce qu'on sait, de façon un peu objectivée, de la situation financière des collectivités territoriales qui, après avoir été très favorable en 2021 et 2022, s'est dégradée, est en cours de dégradation en 2023, en particulier pour les départements, les régions et pour certaines strates du bloc communal et notamment celle des villes moyennes. C'est un élément qui a été bien renseigné dans les échanges qu'on a eus la semaine dernière avec la Cour des comptes. Et puis je terminerai cette introduction sur les questions budgétaires en rappelant que dans le document qui a été transmis au Sénat au titre du projet de loi de finances, un certain nombre d'amendements qui ont été évoqués ici dans cette délégation collectivités territoriales ont été retenus, notamment les propositions formulées concernant les communes nouvelles à la suite de la mission d'information de Stéphane Delautrette et de Stella Dupont, ainsi que les sujets, l'amendement dit budget vert, même si vous le verrez dans le document qui fera l'objet de la navette, il est probable que ce soit plus sur la présentation de la contribution à la transition écologique au moment des comptes administratifs ou des comptes financiers uniques que on restera, et plutôt que sur la notion de budget plus compte administratif 2024. C'était une demande des associations d'élus locaux et je relais cette demande auprès du gouvernement. Et puis, au titre des amendements qui ont été aussi évoqués ici, il y a eu, vous le savez, le fait de repousser la suppression du fonds de soutien aux activités périscolaires qui concerne encore aujourd'hui un peu plus de 1800 communes, regroupements pédagogiques intercommunaux ou intercommunalités. Voilà pour le décor qui est planté. Je vous donne la parole tout de suite, Madame et Monsieur le rapporteur spécial, dans l'ordre que vous souhaiterez voir intervenir. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, je vais commencer cette présentation du rapport RCT en vous remerciant, Monsieur le Président, de cette invitation, parce que je crois que c'est la première fois qu'on vient sous ce format vous présenter nos travaux. Alors, j'excuse les collègues qui sont en commission des finances, que vous allez retrouver dans mon propos des choses que nous avons déjà vues. Et puis, Joël ira, Monsieur le Ministre, plus particulièrement sur les articles rattachés qui ont été plus important cette année. Sachant que vous n'avez pas eu le loisir de m'écouter en commission. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, c'est lui qui travaille. Oui, Joël Giraud ne vient pas en commission des finances, mais il vient à la délégation aux collectivités territoriales. C'est ça. Non, mais il avait une bonne excuse. J'avais une excellente excuse. Alors, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, pour 2024, les crédits de la mission se maintiennent à un niveau élevé, soit 4,36 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 4,28 milliards d'euros en crédits de paiement. Ils sont en légère baisse par rapport à la loi de finances initiale 2023, mais cela est dû notamment à l'extinction de crédits exceptionnels, notamment la DSIL exceptionnelle. La mission RCT porte principalement, vous l'avez rappelé, sur les dotations de soutien à l'investissement du bloc communal et des départements qui comprennent la DSIL classique, la DETR, la DPV et la DSID. Celle-ci progresse en 2024 et demeure au-delà de la barre symbolique des 2 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Ensemble, ces quatre dotations ont permis de financer en 2022 plus de 28 600 projets, soit près de 2,2 milliards d'euros. Et elles ont permis de financer au total un montant proche de 8,9 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'elles ont un effet levier important, puisque pour 1 euro dépensé par ces dotations, ce sont 4,05 euros qui ont été investis par les collectivités. Ces dotations sont donc essentielles pour l'investissement local et je me réjouis de voir leur progression constante, plus 5% de 2023 à 2024.
Non seulement elles demeurent à un niveau historique, ces dotations, mais elles deviennent aussi de plus en plus vertes, vous l'avez vu, puisqu'elles doivent financer une part minimale de projets concourant à la transition énergétique. Les cibles retenues pour la DETR ont été relevées à 20%, pour la DSIL à 30% et pour la DSID à 25% dans l'investissement écologique. Et cela nous paraît tout à fait raisonnable, car il ne faut pas non plus empêcher par ailleurs la réalisation d'investissements nécessaires, mais qualifiés de non verts, je pense notamment aux routes, etc. Je rappellerai que, vous le savez, l'investissement local est aujourd'hui, l'investissement public est aujourd'hui constitué à 2/3 de l'investissement de nos collectivités. Il est donc bien important de cibler plus particulièrement l'investissement écologique, puisque nos collectivités ont également un effort très important à faire en ce sens. Concernant les autres dotations de la mission, je voudrais souligner ici deux hausses notables pour répondre aux besoins des collectivités. Tout d'abord, la dotation biodiversité, qui est chère au cœur de son papa, Joël Giraud, mon co-rapporteur, qui fait l'objet d'un article rattaché à la mission, il y reviendra, et qui a été, dont le montant a été porté à 100 millions d'euros, ce qui est tout à fait exceptionnel. La dotation titres sécurisés, qui double quasiment également pour atteindre 100 millions d'euros, afin d'aider au déploiement des nouvelles stations d'enregistrement de passeports et de cartes nationales d'identité. Là encore, c'est un article rattaché sur lequel Joël reviendra. Concernant les baisses de crédits qui peuvent s'observer sur cette mission, elles résultent principalement de trois éléments. Tout d'abord, l'extinction progressive des crédits de la DSIL exceptionnelle, je l'ai évoqué. Nous développons dans le rapport que vous avez eu le rôle qu'a eu cette dotation dans un contexte de crise sanitaire. Ainsi, ces 950 millions d'euros ont soutenu près de 5 800 projets avec un effort levier de 3,9, principalement centré sur la transition écologique et la préservation du patrimoine public. Deuxièmement, on observe une diminution des crédits de DGD, dotation due en compensation des charges historiquement transférées par l'État aux collectivités. Cette baisse est une opération comptable, car une compensation des frais de gestion perçus par les régions devient une attribution en propre au sein du financement de la formation professionnelle. Et enfin, troisièmement, le programme 122 comprend des crédits d'intervention débloqués, notamment en cas de catastrophes climatiques qui sont en nette baisse, donc moins 27% en crédits de paiement. Ainsi, 150 millions ont été ouverts pour soutenir les collectivités qui ont subi, vous en souvenez, la tempête Alex en 2020. Ces crédits exceptionnels ayant été presque tous utilisés, c'est normal qu'ils soient en voie d'extinction. Par ailleurs, il est à noter sur le programme 122 la création d'un fonds violence urbaine pour compenser les collectivités qui ont subi des dégradations après les émeutes de la fin juin. Ce fonds n'était jusqu'à récemment pas amendé, mais la Première ministre, conformément à ce qu'elle avait annoncé, a porté ce montant à 100 millions d'euros. Le montant a été partiellement engagé dans le PLFG 23 pour débloquer au plus vite ces sommes. Et ce qui n'aura pas été consommé cette année, puisqu'on est déjà en fin d'année, sera bien évidemment reporté sur le budget 2024. Je laisse maintenant mon collègue et cher rapporteur Joël Giraud s'exprimer sur les articles rattachés à cette mission. Je vous remercie. Bien, merci Marina. Bien, à mon tour, je voulais te remercier, David, de cette invitation. C'est vrai qu'on avait voulu rapprocher, en tout début du mandat, les travaux de la délégation avec les travaux de la mission RCT. Ça n'avait pas pu se faire et je suis très heureux que nous puissions le faire sous ta responsabilité. Alors, effectivement, Marina vous l'a dit, en fait, une bonne partie du rapport est consacrée aux articles rattachés. Alors, je précise une chose, le rapport que vous avez demeure encore provisoire. Il y a encore quelques compléments à apporter. Émilien Ricardo, qui est à ma droite, qui est l'administrateur en charge de tout cela, s'en charge. Donc, tout retard dans la production lui est parfaitement incombable. Donc, tout cela serait éventuellement de sa faute en cas de besoin. C'est une façon de te remercier. Beaucoup de travaux ont été consacrés sur ces articles rattachés parce qu'ils portent en fait des mesures qui sont très positives pour nos collectivités territoriales. Alors tout d'abord, vous savez, il y a l'article 56 qui est l'article de répartition de la DGF. Il propose une hausse de la péréquation de la DGF de 220 millions d'euros qui est financée par l'État et répartie entre la DSR, la dotation de solidarité rurale, et la DSU, la dotation de solidarité urbaine, avec une part sur la dotation d'intercommunalité.
Alors, vous le savez, déjà l'an dernier, nous avions à l'époque, parce que ça n'était pas prévu dans le PLF initial, fait quelques amendements pour abonder cette péréquation. On a fait des amendements à 300 et à 500 millions d'euros. La vérité s'est donc située entre les deux, comme toujours. Il faut toujours avoir un amendement bas et un amendement haut pour essayer de faire évoluer les choses. En tout état de cause, enfin, moi, je plaide pour ce genre de hausse en termes de financement de la péréquation horizontale. Ça me semble une façon intelligente de rehausser la DGF en ciblant les collectivités qui en ont le plus besoin. Alors, je pense pour autant que certains paramètres, notamment des paramètres de la DSR, pourraient être corrigés parce que, par exemple, il y a un critère qui est un critère de voirie dans la DSR. Et ce que l'on constate, c'est qu'un certain nombre de collectivités font face à des dépenses de plus en plus importantes et exceptionnelles. Par exemple, les budgets des collectivités de montagne consacrés à ces dépenses de voirie ont doublé, tout simplement parce que le changement de climat fait que, eh bien, il faut refaire pratiquement les routes chaque année dans les zones rurales de montagne, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Nous avions d'ailleurs déposé des amendements qui ont été votés par la commission des finances sur ce sujet. Il semblerait qu'il n'ait pas été totalement retenu, même pas du tout, dans le cadre des amendements retenus à la suite du 49 alinéa 3 de la Constitution et de sa mise en œuvre. Alors, outre cette hausse, la partie péréquation de la DGF des intercommunalités, la DI, augmente de 60 millions d'euros supplémentaires, alors au détriment de la dotation, qui est la dotation de compensation, qui ne répond plus franchement à des critères très objectifs de charges et de ressources des intercommunalités. Alors, comme chaque année, on a également une majoration de l'article, la dotation de péréquation des départements est rehaussée de 10 millions d'euros. Et elle procède également à un ensemble de modifications paramétriques des indicateurs financiers. C'est en général pour tenir compte de la suppression de la CVAE. On a l'article 56 qui intéresse beaucoup de gens ici. David, en premier lieu, il s'agit de l'article 56 sur les communes nouvelles. Mais il y a certains d'entre vous, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, je pense en particulier à Stella Dupont et à notre collègue également de Lautrette, qui ont réalisé une mission flash récente sur ce sujet. Alors l'article 56, il offre de nouvelles garanties pour sécuriser les communes nouvelles, notamment le maintien de l'éligibilité à la DSU de la commune nouvelle si elle rassemble au moins une commune qui était éligible. Elle prévoit aussi des garanties pour les communes qui sont issues d'une défusion. Alors il faut également noter que dans le cadre justement du 49.3, dans le PLF en première lecture, il y a une augmentation de la dotation d'amorçage des communes nouvelles qui passe de 6 à 10 euros par habitant, sujet là encore que tu connais bien David, et la création d'une part de garantie complétant cette part d'amorçage. Alors moi, très honnêtement, on peut être que très favorable à ce soutien qui est bienvenu à la création de communes nouvelles et qui permettra de donner à celles-ci à la fois les moyens nécessaires pour réussir leur fusion, mais également d'éviter les frustrations, parce qu'il est vrai que quand on se retrouve dans une situation où la somme des DGF, qui était celle des anciennes communes, se trouverait inférieure à la DGF que touche maintenant la commune nouvelle, on se retrouverait dans des situations qui étaient quand même un petit peu paradoxales et sur lesquelles il faut bien sûr veiller. Par ailleurs, on a l'article 57 qui est relatif à la dotation de biodiversité, dont tu as bien voulu rappeler ma paternité, puisque je l'ai engendré et créé. C'est un terme qui est très utilisé chez les laïcs. Donc cette dotation qui s'appelle désormais la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, on l'avait appelée dotation de biodive, puis dotation de biodive et d'aménités rurales. Donc elle est désormais dotée de 100 millions d'euros. C'est un chemin important parce que cette dotation de biodiversité, quand je l'ai créée en 2019, on avait obtenu brillamment 5 millions d'euros. Et encore, on nous les mégotait, j'allais dire. C'était quelle est la partie qui va être prise sur l'enveloppe normée, quelle est la partie qui va être prise sur des crédits nouveaux. Donc aujourd'hui, on a une dotation de 100 millions et elle va permettre de soutenir en fait toutes les communes qui sont situées dans des aires protégées ou qui jouxtent des aires marines protégées. C'est un montant qui est donc doublé, plus que doublé d'ailleurs, puisque c'est 58 millions de plus par rapport au dernier PLF, de façon à permettre
que les montants qui sont perçus par les collectivités qui sont concernées ne diminuent pas avec l'élargissement du champ de la dotation. Alors, vous le savez, tout cela renvoie à des textes réglementaires et on va être très vigilant quant aux éléments qui vont figurer en fait dans l'acte réglementaire, parce qu'il arrive que le diable se cache dans les détails et que ces textes réglementaires vont préciser les modalités de calcul et de répartition de cette dotation biodiversité revisitée tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. L'élaboration de ce texte est sous surveillance. C'est le sénateur Union Centriste Bernard Delcros qui, côté sénatorial, connaît bien ces questions, et l'ancien rapporteur, justement, RCT pour le compte du Sénat, qui les surveille en même temps que moi. On vient de recevoir d'ailleurs des propositions une minute avant d'arriver en séance, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. À titre personnel et à titre collectif d'ailleurs, j'aimerais formuler le souhait d'une dotation biodiversité qui englobe également d'autres éléments qui sont des éléments de notre écosystème. C'est très bien d'avoir l'ensemble des aires protégées, mais il y a quand même des collectivités qui participent très largement à cette biodiversité, par exemple en ayant des forêts. Et que ces forêts qui sont des forêts non productives, mais des forêts soit avec des séries de biodiversité, c'est-à-dire des séries de protection de l'environnement, soit des séries qui sont des séries de protection tout court du terme, parce que lorsqu'il y a des chutes de blocs et autres dans des zones de montagne, il y a des forêts qui sont uniquement dédiées à la protection des lieux habités. Et bien évidemment, ce n'est pas de la forêt productive, mais c'est de la forêt qui crée de la biodiversité. Donc, il s'agit effectivement de trouver les voies et moyens de trouver les bonnes superficies, parce que vous savez que quand vous créez une dotation, quelle qu'elle soit, il faut que vous ayez des critères qui soient des critères opposables sur le plan juridique. Et à l'heure actuelle, l'ONF n'a pas fait ce travail de recensement juridiquement opposable. On avait le même cas pour Natura 2000, par exemple. Il a fallu faire un travail préalable. Donc on avait demandé, là aussi par amendement, que ce travail soit fait. Il n'a pas été retenu. Mais nous serons quand même vigilants pour que l'ONF fasse le job sur ce sujet. Sur l'article 58, c'est l'article 58 qui poursuit donc le soutien aux communes qui sont confrontées à des perturbations, on va dire, dans la chaîne de délivrance des titres d'identité. Alors la DTS, la dotation pour les titres sécurisés, progresse pour atteindre désormais 100 millions d'euros. Là aussi, ce sont des critères qui vont être fixés par voie réglementaire. Ça fait suite, en fait, à la demande qui a été faite par la PM de faire en sorte qu'on réduise le délai à 20 jours pour l'obtention de ces titres sécurisés. Je signale aussi que dans la loi de règlement, le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023, ont été instaurées des majorations exceptionnelles pour atteindre dès 2023 le montant de 100 millions d'euros pour qu'on commence, entre guillemets, à amorcer la pompe sur ce plan-là. Vous avez également un article 59 qui élargit le bénéfice de la dotation élus locaux, la DPEL, à toutes les communes de moins de 10 000 habitants pour protéger plus largement les élus dans ce contexte de progression des agressions qui les ciblent. C'est une mesure qui s'accompagne d'une hausse de 400 000 euros de la DPEL qui permet de ne pas diminuer les dotations existantes. Voilà les mesures principales que nous avons eu l'honneur de vous rapporter qui figurent dans le champ de mission de RCT. Alors, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, David, mais ce n'est qu'une part, effectivement, du soutien de l'État aux collectivités, comme vous le savez. Il y a bien d'autres engagements qui ont été pris et tenus. Je pense en particulier à quelque chose qui était important, qui était de revenir à l'élargissement du bénéfice du FCTVA aux dépenses d'aménagement, qui a posé quelques problèmes, puisque des collectivités qui s'étaient engagées justement sur des choses qui me semblent importantes, comme par exemple la mobilité douce, les voies vertes et autres, se sont retrouvées avec un refus de remboursement de la TVA qui a été très, très préjudiciable, non seulement à ces collectivités, mais surtout à l'image et à l'envie, j'allais dire, d'avoir des ouvrages de ce type-là. Donc, ceci est désormais derrière nous. 250 millions d'euros y ont été consacrés.
Tu le citais, la poursuite du fonds vert qui est porté à 2,5 milliards d'euros. La garantie de non-baisse de TVA affectée aussi aux départements, qui sont des nouvelles qui sont, certes, qui ne sont pas dans notre mission, mais qui sont également importantes. Sachez aussi que nous avons demandé, puisqu'il s'agissait, nous pensions que ça pouvait être un article non rattaché, mais ça ne l'était pas, nous avons demandé aussi des modifications sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Comme ça a été classé en non rattaché, c'est le rapporteur général du budget qui est le rapporteur de cette section du budget. Nous avons demandé qu'il y ait une solidarité aval amont qui soit mise en place, parce que les petites collectivités, les petites intercommunalités sur qui repose l'intégralité des travaux en amont se retrouvent confrontées aujourd'hui à des problèmes financiers, et l'ensemble des bassins versants qui bénéficient de ce qui a été fait en amont ne participent absolument pas. Pour vous donner un exemple, la chaîne Durance-Verdon, qui a été analysée par un rapport d'inspection générale, grosso modo, participe à 88% de la richesse du bassin d'Aix-Marseille, et pourtant le bassin d'Aix-Marseille ne participe absolument pas à ce qui se passe dans des intercommunalités, notamment dans un département comme les Alpes de Haute-Provence, qui est encore plus pauvre que celui des Hautes-Alpes. Donc nous avons demandé qu'il y ait, là encore, il y ait un rapport de fait de manière circonstanciée pour savoir exactement comment recréer ces solidarités aval amont avec les bassins versants. Il a été voté à l'unanimité donc par la commission des finances et non retenu dans le 49.3. Voilà ce que je voulais compléter. En tout cas, le soutien de l'État aux collectivités se poursuit et la mission que nous avons l'honneur de présenter devant vous en est une démonstration. That's all, folks. Merci. Merci, Madame et Monsieur le rapporteur spécial. Je me contenterai de faire quelques remarques et puis tout de suite, je donne la parole aux collègues. Je ne veux pas alourdir nos échanges par des questions. Sur les communes nouvelles, en effet, quand on avait eu l'occasion d'examiner le rapport de nos deux collègues, l'excellent rapport de nos deux collègues à l'issue de leur mission d'information, on avait bien identifié qu'il y avait la nécessité de donner ce second souffle avec un certain nombre de mesures, notamment celles que tu as évoquées, Joël, pour garantir le montant de DGF et augmenter le montant du fonds d'amorçage. L'objectif, c'est pas comme ça qu'on devait le voir, et c'est d'ailleurs pas comme ça que nos collègues le voyaient. Ça n'est pas d'inciter à tout prix à la fusion au nom d'une efficacité à rechercher, mais plutôt de voir les communes nouvelles comme un lieu d'innovation territoriale. Et ça, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et donc, cette nécessité de relancer cette innovation territoriale, c'en est une des manifestations. Elle est bien présente dans ce texte du projet de loi de finances. Sur la dotation biodiversité, merci de l'avoir redit, chers collègues. Il y a quelque chose de très intéressant dans la dotation biodiversité, puisque c'est finalement le point de départ d'une sorte de prime à la non-artificialisation du sol. Aujourd'hui, on a une fiscalité locale qui est... Il ne s'agit pas de fiscalité, là, mais d'une dotation. Mais on a une fiscalité locale qui assise sur la prime à l'artificialisation. Et là, finalement, c'est une prime à la non-artificialisation qui est donnée par l'État. Et en ça, je pense que c'est un outil qui est très intéressant, au-delà de sa croissance spectaculaire x20, comme vous l'avez souligné. Et puis deux remarques pour terminer, un peu plus facétieuses. L'une sur le FCTVA, il reste quelques situations un peu particulières à régler, puisque quand il y avait des situations de saisie manuelle dans certaines préfectures, il y avait parfois, du côté des préfectures, une exception des demandeurs qui pouvaient bénéficier ou des types d'investissement du FCTVA qui étaient assez larges. Et notamment, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a cette situation difficile des syndicats de biens indivis qui, dans certains départements, étaient considérés comme éligibles au FCTVA, qui ont déposé des demandes d'investissement pour 2022, validées avec parfois d'autres soutiens de l'État, et qui se retrouvent à ne pas avoir bénéficié en 2023 de cela, et avec en plus des courriers qui leur expliquaient qu'ils n'y avaient jamais eu droit, alors que pendant 20 ans, peut-être, ils avaient fait des investissements avec le FCTVA. Donc, que ça ne soit pas perpétué pour la suite, c'est normal, puisqu'il faut la même règle partout, mais qu'en revanche, pour ceux qui ont investi en 2022, ils puissent avoir des solutions trouvées, ça me paraît quand même assez indispensable. Et puis, sur la GEMAPI, là aussi, de façon facétieuse, je crois que c'est une compétence dont on parle très peu, mais dont, sauf erreur de ma part, il s'agissait bien d'une compétence État, en tout cas pour la prévention des inondations, et qui a été transférée sans aucune compensation, pour le coup, du côté en faveur des EPCI,
Et donc, voilà, je le rappelle. Compensation à 100%. Voilà, à 100%. Les collectivités situées sur les bassins amont. Absolument. Donc, raison de plus pour imaginer des mécanismes qui créent une solidarité nécessaire entre l'amont et l'aval, parce que, pour le coup, on n'en parle pas, mais c'est bien un cas concret d'absence de compensation. Il n'y en a pas 100 000, mais il y en a un, là, en l'espèce. Alors, nous avons plutôt des questions, trois questions pour commencer. D'abord, pour le groupe Renaissance, monsieur le vice-président Lionel Royer-Perrot, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président, madame la co-rapporteure, monsieur le co-rapporteur, merci pour votre rapport et le fait d'avoir bien souligné, dans le contexte que nous connaissons et les problématiques et les enjeux auxquels sont confrontées, du moins, les collectivités, le fait que nous avons une progression donc des crédits, des dotations d'investissement. Je crois que c'est important de le dire. Et quelque part, votre audition croisée avec celle que nous avons faite la semaine dernière avec le président de la 4e chambre de la Cour des comptes témoigne, me semble-t-il, qu'il y a une réalité et qu'il faut rappeler ici dans cette commission, car on ne peut pas avoir un discours ici et un discours autre dans l'hémicycle. Or, la semaine dernière, j'ai été assez perturbé de voir finalement deux types de discours en fonction de là où on se trouvait pour certains de nos collègues. Ceci étant posé, je souhaiterais revenir sur trois sujets. Le premier, ça concerne les dotations complémentaires pour les communes qui auraient donc justement des aires marines protégées et des parcs nationaux. Je fais référence bien évidemment à mon territoire d'élection et à ma circonscription puisque nous avons le parc national terrestre et maritime. Et donc je voudrais savoir si ces dotations sont fongibles, si elles s'additionnent. Ou est-ce que quand on a un département, une commune qui a justement un parc national d'un côté et une aire marine protégée de l'autre, est-ce que justement c'est, ça s'additionne? Deuxième sujet, sur est-ce que vous avez un premier bilan de la recentralisation du RSA sur certains départements, donc Seine-Saint-Denis et Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on commence déjà à avoir quelques indicateurs sur ces questions-là? Et enfin, troisième question, ça concerne toujours donc les départements et la dotation de péréquation des départements qui est évaluée à peu près à 10 millions d'euros. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant au regard des enjeux? Parce qu'on a bien entendu quand même, pour le coup, la semaine dernière, que départements et régions étaient les deux blocs qui étaient lourdement touchés par les évolutions donc de 2023. Et donc, est-ce que vous considérez que cette péréquation de 10 millions d'euros est à la hauteur de l'enjeu et à mettre peut-être aussi en perspective par rapport aux annonces de la Première ministre la semaine dernière, si vous avez des indications à ce sujet. Je vous en remercie. La parole est à Gabriel Amar, monsieur le député du Rhône. Vous avez Merci. Deux, trois petites choses. Dans votre rapport, bien sûr, nous notons des choses intéressantes quand elles sont prises isolément. Mais je veux pouvoir quand même faire part ici de notre inquiétude pour les collectivités locales quand on mesure que les crédits du programme 119 sur le concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements, certes, représentent 4 milliards, mais est en baisse de 3%. Les crédits du programme 122, lui, est en baisse de 27%. Donc, je ne veux pas que, parce que vous nous rappelez des valeurs absolues en euros pour certaines dimensions de la politique que vous souhaitez mettre en avant en direction des collectivités locales, même si vous rappelez que des dispositifs sont en extinction parce que le Covid s'est éloigné de nous, bien entendu, en tout cas pour ce que nous avions à nous y confronter en collectivité. Pour autant, d'autres choses ont explosé en termes de dépenses pour les collectivités, et notamment liées à l'inflation. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et du coup, je ne suis pas convaincu que dans ce contexte, il faille acter, même si le 49.3 est passé par là, sans rien dire, le fait que globalement, un certain nombre de dotations cumulées sont en baisse. Puisque j'évoque l'inflation, je veux pouvoir vous dire que
pour notre groupe, la prospective qui nous est proposée avec une inflation à 2,6% pour 2024 nous paraît relever, comment dire, d'une certaine intuition au doigt mouillé ou du ressort d'une lecture dans la boule de cristal, parce que ça ne tient pas compte de l'avis du Haut Conseil aux finances publiques, qui a estimé que c'était sous-évalué, et l'OFCE, qui nous indiquerait plutôt une inflation à 5,5 à 6,5, avec peut-être un peu de ralentissement en fin d'année 2024. Mais du coup, je suis sceptique quant au fait qu'on puisse engager l'exercice sur ces programmes destinés aux collectivités locales avec sérénité. Vous le savez, elles sont prises à la gorge, nous le constatons tous. Je pense que c'est un acquis transpartisan que d'avoir tout de même ceci à l'esprit. Ensuite, permettez-moi d'en profiter, puisque hier nous avons ensemble adopté un texte en faveur des secrétaires généraux de mairie. Certes, ça va prendre le temps et le calendrier est plus lointain. Mais vous voyez bien que dans ce contexte de rabougrissement ou de contraction de l'aide aux collectivités, je suis pour ma part un peu inquiet qu'on n'ait pas la sensibilité à anticiper sur les effets qui sont induits par certaines délibérations de notre Assemblée. Et notamment, je pense qu'un déroulement de carrière et une promotion interne facilitée financièrement pour nombre de collectivités et de petites communes, ça ne va pas être aisé de le faire en pétaradant de joie, même si on a envie de reconnaître le mérite, la compétence, l'engagement de tel ou tel secrétaire général de mairie qui devrait passer de la catégorie C à la catégorie B selon des règles de promotion assouplies telles que nous l'avons adoptée. Et ne parlons pas de l'incidence budgétaire de recrutement de nouveaux secrétaires généraux de mairie directement en catégorie B. J'achève avec le regret, bien sûr, que le 49.3 ait balayé quelques amendements qui paraissaient judicieux. Un dans le domaine un peu de mon dada et à d'autres dans notre assemblée, bien sûr, celui de donner un coup d'accélération et pas seulement par la tarification différenciée des agences de l'eau sur les investissements en matière de lutte contre les fuites sur les réseaux de distribution de l'eau potable, où nous avions fait adopter un amendement de 500, enfin, nous avions adopté un amendement de 500 millions d'euros pour participer à une première étape d'un grand plan de rénovation des canalisations. Je pense aussi à l'amendement exclusivement en la matière destinée, qui lui aussi était de 500 millions d'euros et qui était destiné aux territoires dits d'outre-mer, toujours pareil pour sécuriser la distribution dans l'eau potable, de l'eau potable qui fait, comme vous le savez, cruellement défaut dans ces territoires. Et enfin, les 345 millions pour compenser au département la revalorisation du RSA, et je pourrais en rajouter à cette liste. Je vous remercie. Oui, l'un des charmes de notre délégation, c'est qu'on ait une certaine, on soit un peu plus libéraux que dans les durées des prises de parole, mais essayez quand même, chers collègues, d'être relativement ramassés pour qu'on puisse, je le dis pour tout le monde, avec beaucoup de... Beaucoup d'affection. Vous avez choisi de le dire quand c'est moi. C'était objectivement un peu plus long que l'intervention précédente, chers collègues, je crois, on peut le dire. Madame la vice-présidente Christine Pires-Beaune, vous avez la parole. Oui, je vais essayer de faire vite. Merci, monsieur le président. Merci de cette initiative aussi avec la présentation par nos deux rapporteurs sur le budget RCT. Alors, pour faire vite, on a eu effectivement la Chambre régionale, la Cour des comptes la semaine dernière avec le fascicule 2. Et on a eu effectivement cette alerte, puisqu'il y a un léger ou un peu moins léger, chacun le prendra comme il veut, revirement en 2023.
et notamment pour les départements qui devraient être la collectivité la plus impactée. Du coup, la Première ministre a fait des annonces aux assises des départements la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Moi, j'ai noté quelques chiffres, mais voilà, je voulais avoir confirmation ou pas. Et comment ça va se traduire et dans quel texte ça va se traduire, puisqu'il y a eu au moins 3 chiffres d'annoncés. Sur la DGF et la péréquation, puisque c'était aussi un angle d'étude qui a été présenté par la Cour des comptes, la péréquation, elle est faible au global, la péréquation. Elle est quasi inexistante pour les régions, elle est très faible pour les départements, elle n'est pas non plus extraordinaire pour le bloc communal. Du coup, moi aussi, je peux me satisfaire, comme Joël Giraud, de l'augmentation de la DSR et de la DSU, sauf qu'aujourd'hui, l'écrêtement existe encore. Alors, même s'il a été gelé en 2023, il est à l'œuvre pour 2024, certes dans des moindres mesures que ce que l'on a pu connaître, mais quand vous avez des marges, elles s'épuisent, ces marges. Ce que je veux dire, c'est que l'écrêtement commence à peser très, très, très fort sur les communes qui sont écrêtées, qui sont de moins en moins nombreuses, puisque vous avez une part de communes qui tombent en DGF négative et qui sont donc plus écrêtées. Et donc, ça devient insupportable quand même pour certaines communes, je tiens à le dire, parce que j'ai des courriers là-dessus et des alertes, c'est-à-dire vous avez des communes qui continuent à perdre de la DGF depuis 2014, c'est-à-dire qu'elles ont eu un gros coup de rabot 2014-2017, et puis ça a continué avec l'écrêtement, avec parfois des rabots plus importants encore. Donc là, ça va devenir un sujet, et il ne faudrait pas attendre... voilà, qu'on soit au pied du mur, comme on a fait d'ailleurs pour geler en 2023, parce que si on a gelé en 2023, c'est parce que Paris était tombé en DGF négative, voilà, et que Paris participait à la hausse de la au financement de la hausse de la péréquation. Donc moi aussi, je suis très attachée à la péréquation, mais il va falloir trouver les bonnes solutions pour faire augmenter cette péréquation. J'en profite pour dire que le FPIC, à l'image de ce qu'a dit la Cour des comptes, est un bon outil péréquateur. Je suis sur un territoire qui participe au FPIC, hein, qui n'est pas bénéficiaire, qui participe néanmoins. Les études sont là pour dire que c'est un bon outil. Sur les communes nouvelles, c'est très bien, je partage. Je dis juste qu'arrivé à un moment, une commune nouvelle, c'est une commune tout court. Voilà. Donc, il faut effectivement des fonds d'amorçage, ils font des mesures, mais arrive un moment où elles doivent rejoindre le droit commun. Je le dis d'autant plus facilement que j'étais à l'origine de la PPL Commune Nouvelle avec Jacques Pélissard en 2015 et que donc, voilà. Et sur GEMAPI, oui, certes, pas de compensation, mais il y avait une taxe quand même de 40 euros maximum par habitant. Donc, on avait quand même donné une ressource suffisante ou pas. En tout cas, moi, je vous rejoins quand vous dites qu'il faut de la solidarité entre bassin versant et entre l'aval et l'amont. C'est évident. Merci. Juste sur la taxe GEMAPI, c'est une capacité à lever de la fiscalité, mais c'est pas il n'y a pas eu de compensation du côté de l'État. Il y a du côté des collectivités la capacité à lever un impôt et donc donner l'impression qu'elles vont conduire une politique avec une fiscalité nouvelle. Toutes ne le font pas d'ailleurs, mais ce n'est pas exactement une compensation d'État. Non, mais je dis ça parce que certains élus préféraient avoir un levier fiscal à leur main plutôt que d'avoir une compensation. Il faut, voilà. Oui. Et ces élus-là, ce sont ceux effectivement qui ont instauré la taxe et qui avaient les moyens de l'instaurer. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir un bilan de sur les intercos, oui, de qui a instauré. Absolument. Ça doit exister. C'est une bonne suggestion. Messieurs les rapporteurs spéciaux, comme vous voulez. On a l'habitude de bosser ensemble, donc on va faire ça à deux voix. Bien, alors pour répondre, toutes les questions que vous avez posées ne sont pas forcément des questions qui se rentrent dans le cadre de la mission RCT. Je pense en particulier au RSA, même si tu vas peut-être répondre toi plutôt à M. Hamard concernant ces questions. Mais sur les questions qui ont été posées, donc sur les principales. Alors, sur la dotation de biodiversité, devenue dotation forêt et humanité rurale, il y a jusqu'à présent un principe qui est la somme des dotations liées aux surfaces avec, quel que soit, je dirais, le type d'aménité qui est proposé. Par exemple, il y a une somme entre les parcs nationaux et les zones centrales et les zones périphériques et les zones Natura 2000 qui, quelquefois, se recouvrent. Donc, concernant ta question, la situation actuelle est celle-là. Je ne sais pas, en revanche, ce qu'il y aura dans le décret.
Donc autant je peux répondre sur l'existant, autant sur ce qui va arriver, je ne saurais pas répondre. Il y a une question très générale, j'allais dire, sur la problématique des départements et des régions. Je me permets de dire que pour les régions, enfin, ça me semble aussi moins grave. Je vais être franc, parce que je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Quand je vois le pourcentage des budgets des régions consacrés à la communication, il m'arrive de me dire que c'est plus facile d'être président de région que d'être président d'un département comme les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes. Voilà. C'est un euphémisme que de dire cela. S'agissant des départements, oui, c'est vrai que il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, même s'il y a un fonds de péréquation des DMTO qui a été mis en place, qui est quand même assez important puisqu'il frôle les 2 milliards d'euros. On est dans des situations qui sont des situations aussi héritées d'un système qui n'était pas consensuel s'agissant de la péréquation. Je me rappelle, quand j'étais rapporteur général du budget, d'avoir un président de l'ADF avec lequel j'entretenais par ailleurs les meilleurs rapports de l'Association des départements de France, et qui me disait, écoute, mon siège est en jeu si j'essaye de faire plus de péréquation. Donc si tu veux un peu, il ne disait pas violer tout le monde, mais en fait ça ressemblait un peu à ça, propose un amendement toi et je ne bougonnerai pas trop. Voilà, ça, c'est un peu comme ça que ça se réglait, parce que c'est vrai qu'entre départements riches et départements pauvres, la situation était un petit peu différente. Là aussi, permettez-moi d'avoir de temps en temps l'image sur ma région. Le département des Alpes-Maritimes n'est pas celui des Alpes-de-Haute-Provence. Et quand le département des Alpes-Maritimes boostait sa fiscalité de 0,5 points, il avait le budget investissement plus fonctionnement du département des Alpes-de-Haute-Provence. Donc la difficulté, je dirais, demeure, mais je suis persuadé que à la fois la situation singulière des départements qui s'aggrave tendanciellement au-delà de la problématique des DMTO qui ont été très élevés puis qui redescendent, qui est un effet conjoncturel important, mais qui est un effet plutôt significatif de la situation des départements, nécessite à la fois qu'on se repenche sur les questions de péréquation, mais qu'on se penche également sur l'ensemble de ce qui relève de budget de cette collectivité en particulier. Vous savez, moi, je suis issu d'un monde rural et je suis toujours très étonné lorsqu'on voit les futures dépenses de mobilité, de voir que bon, les régions ont des budgets quand même qui existent et qui sont relativement importants. Il y a des budgets sur le ferroviaire, mais on ne pense jamais que de temps en temps, il faut qu'il y ait des routes départementales en étape pour supporter la mobilité routière. Parce que nous n'habitons pas tous dans des endroits où la voie ferrée traverse les zones rurales. Donc c'est vrai que j'avais d'ailleurs déposé quelques amendements de l'ADF à ce sujet, parce que je trouve que consacrer 100% au ferroviaire peut poser un problème lorsqu'il s'agit de mobilité locale, où de toute façon le recours à la mobilité routière est indispensable. Et même si c'est la région qui maintenant organise ces mobilités-là, la route qui est dessous est quand même la propriété la plupart du temps des départements, et c'est un petit peu compliqué dans un certain nombre de nos régions. Sur les autres questions qui ont été posées, sur le FPIC notamment, alors, vous conviendrez avec moi. Alors, je remercie Christine Pires-Beaune d'avoir dit que c'était un bon instrument. Je l'ai toujours soutenu, bien que je suis dans une région où beaucoup de gens m'incitaient à ne pas le faire, parce que dans le massif alpin, il arrive qu'il y ait des collectivités qui n'aiment pas payer le FPIC. Mais lorsque je voyais quels étaient les bénéficiaires, il faut m'expliquer comment on fait de la péréquation pour rhabiller des régions sans déshabiller quelques-unes qui ont quand même des revenus extrêmement élevés. Voilà, j'allais faire une comparaison qui va peut-être vexer des personnes, mais Courchevel n'est pas les Combrailles pour et réciproquement. Et je suis très content que Courchevel se porte bien, mais j'ai pour autant une certaine envie de dire qu'il faut effectivement corriger à la marge des phénomènes dans le FPIC qui étaient des phénomènes qui amenaient certaines communes, pour des raisons diverses et variées, à avoir des prélèvements qui n'étaient pas des prélèvements très, très raisonnables par rapport à leur situation. Pour autant, globalement, l'outil fonctionne.
et je l'ai toujours défendu en tant que ministre, je l'ai défendu en tant que parlementaire, même si des vents contraires m'auraient incité à faire autrement. Sur les autres sujets de... Merci Christine pour ton avis sur la GEMAPI, parce que je crois que le système ne tiendra pas si on ne continue pas à vouloir faire de la péréquation là encore. Sur les autres sujets, j'ai bien entendu les différents sujets alors, relatifs notamment à l'inflation et à la crise de l'électricité. Je crois qu'il y a un document que vous allez étudier tout de suite après à ton initiative et que nous allons regarder avec beaucoup d'intérêt sur la mise en œuvre de la dotation de l'article 14 de la loi de finances rectificative de 2022. Il y a des phénomènes qui sont difficiles à juguler. J'en connais un particulier parce qu'il concerne les stations de sport d'hiver. Les collectivités locales qui avaient des grands opérateurs en la matière se sont retrouvées avec une inflation due au tarif EDF, pour les appeler par leur nom, qui était relativement modérée, tandis que des collectivités, notamment des régies communales, c'est un phénomène que là encore tu connais bien au travers des régies thermales, se sont retrouvées avec des situations où on a multiplié par 10, voire plus même le tarif électrique. C'est-à-dire qu'on a des collectivités, des régies, des stations de sport d'hiver avec des tarifs à 150 euros du kilowatt et des petites régies communales où on leur a imposé du 750 euros le kilowatt. Donc moi, je plaide avant tout et au-delà de la régulation qui doit être faite pour que nous mettions à profit, j'allais dire, le fait que le capital d'une entreprise comme EDF est détenu par l'État, me semble-t-il, désormais, pour que nous puissions avoir une action qui soit pour le moins une action de non-mise en concurrence entre collectivités qui ne me semble pas du tout souhaitable et qui, à l'heure actuelle, n'a pas été jugulée de manière efficace. Bon, voilà ce que je voulais dire sur certaines questions. Je te laisse, Marina... Notamment oui. La question de M. Hamar qui... Oui, alors je vais essayer de compléter. Alors, sur le RSA, sur le premier retour d'expérimentation que nous avons aujourd'hui, puisque l'expérimentation court jusqu'au 31 décembre 26. Pour l'instant, donc, le gain serait évalué, hein, je dis serait puisque je n'ai pas le chiffre définitif, à 14,3 millions pour les Pyrénées-Orientales et à 22,6 pour la Seine-Saint-Denis. Donc cette expérimentation semblerait plutôt... bénéfique et positif. Donc, j'ai envie de dire à suivre. Monsieur Hamar, cher collègue, attendez, je vais retrouver mes notes. Alors oui, vous pointez les baisses de crédit. Hein, donc, j'avais effectivement expliqué, et vous l'avez noté, les raisons. Hein, donc, la décile exceptionnelle sur le programme 119 qui s'éteint, et sur le programme 122, les crédits qui étaient destinés à la tempête Alex essentiellement. Alors, sur les crédits de la mission 122, vous dire que, certes, ils sont en voie d'extinction, mais on voit bien que, par rapport malheureusement aux catastrophes qu'on a eues, c'est des crédits qu'on pourrait... ce qui n'est pas souhaitable, puisque ça voudrait dire qu'on aurait d'autres catastrophes à affronter, mais c'est des crédits qu'on pourrait remobiliser, l'État saurait le faire. Sur les mesures de soutien concernant l'inflation aux collectivités, bon, ça va faire l'objet de la présentation que vous allez avoir derrière, il y a quand même des moyens conséquents qui ont été mobilisés pour aider nos collectivités, même si j'ai sur le terrain, je dois l'avouer, quelques remontées, puisqu'il y a des gens qui doivent rembourser les acomptes actuellement. Voilà, donc ce qui peut poser problème pour certaines collectivité et qui peut-être nécessitera que l'on regarde cela de plus près au cas par cas en fonction des situations. Par rapport à vos observations, moi je souhaiterais quand même dire que sans vouloir faire de la polémique politicienne, mais il faut quand même observer que depuis 2 ans, on est dans une augmentation du soutien qui est apporté aux collectivités. Moi, depuis que je suis élue, je constate que sur la DGF, l'année dernière, on a mis 320 millions d'euros, ça a été rappelé. Cette année, on est pour l'instant à 220, mais je pense que nos collègues sénateurs vont vouloir revenir aussi. Donc ça fera... En tout cas, si on reste à l'épure actuelle du PLF, on est quand même à 1,5 milliard de plus de soutien pour la dotation à nos collectivités, ce qui n'est pas négligeable. Le fonds vert, qui est aussi un fonds d'investissement,
alors, qui ne fait pas partie de notre mission non plus comme la DGF. Enfin, 2,5 milliards, c'est quand même 500 millions d'euros supplémentaires. Et on voit que les premiers retours qu'on a du fonds vert, les enveloppes sont consommées. C'est un vrai levier aussi pour l'investissement de nos collectivités. Donc, je crois qu'on peut toujours voir le verre à moitié plein. Personnellement, c'est mon optimisme naturel, je préfère le voir à moitié vide. Et on progresse sur l'aide. Non, à moitié plein, pardon. Et donc, moi, je trouve qu'on progresse sur le soutien qui est apporté à nos collectivités. Surtout si c'est du Chinien Bergeron. Enfin, j'ai tendance à plutôt le laisser à moitié vide quand c'est du Chinien Bergeron. Ouais. Sur votre dada, alors je me suis permis de demander au président quelle était votre dada. Donc, c'est l'eau, m'a-t-il répondu. Avant que vous ayez commencé voilà. À développer. Dans le PLF, alors c'est hors de notre mission, mais vous avez quand même vu toutes les redevances sur l'eau hein, qui ont été modifiées pour abonder justement le plan eau. Et je crois que c'est important puisqu'on va donner les moyens à l'Agence de l'eau. Alors, bon, on amorce, hein, mais on va donner les moyens à l'Agence de l'eau de développer les projets. J'ai une inquiétude, en revanche, et notamment sur des territoires que je connais bien, sur le transfert aujourd'hui des digues domaniales de l'État aux collectivités, où il y a des ajustements qu'il faut qu'on ait, des discussions qu'il faut qu'on ait avec l'État sur ces transferts, puisqu'il peut y avoir des investissements importants à porter. Et il n'est pas question que les collectivités assument seules ces responsabilités. Sur une autre mission qui n'est pas dans celle-ci, c'est un amendement que j'ai déposé qui a été retenu dans le 49.3, qui concerne le fonds Barnier. J'avais souhaité qu'on reste sur la même tendance que les années précédentes sur le fonds Barnier, avec une augmentation qui est certes modeste pour l'instant de 20 millions d'euros, mais je pense que c'est un fonds qu'il va falloir qu'on continue à alimenter, voire qu'on fasse augmenter d'année en année, puisque c'est un fonds qui va essayer aussi également aider nos collectivités à s'adapter au changement climatique. Et je crois que c'est un fonds qu'il faudra surveiller. Sur les DMTO, j'ai une crainte, moi je l'exprime depuis plus d'un an maintenant, qui est liée à la crise de la construction et de l'immobilier. Sur de nombreux secteurs aujourd'hui, on voit que l'activité liée au logement est en grande difficulté. Et j'ai peur que sur les années 25, 26 et 27, on ait une crise du coup qui impacte directement nos collectivités, notamment au regard des DMTO. Voilà. Donc c'est un point d'attention que nous devons avoir et je pense que nous le partageons tous ici, une vigilance particulière pour nos départements. Pour les annonces de la Première ministre, alors, vous les avez suivis comme moi, hein, 230 millions d'euros d'aides qui ont été annoncés pour les départements au titre de la protection de l'enfance et de l'aide à l'autonomie. Tout ce que je peux vous en dire, c'est ce que nous avons lu dans la presse pour l'instant, en attendant de voir comment cela va se décliner, avec effectivement 150 millions d'euros qui pourraient être débloqués dès 2024 par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie pour les dépenses d'autonomie. Et puis, alors en deux temps, plus de 100 millions d'euros pour l'aide sociale à l'enfance, puisque vous savez que les départements ont tiré la sonnette d'alarme en estimant aujourd'hui qu'ils auraient une augmentation de plus de 500 millions d'euros des dépenses, notamment liées à l'arrivée de mineurs non accompagnés sur le territoire. Donc j'ai envie de dire à suivre et de très près dans l'accompagnement qui sera fait à nos départements. Et je pense que j'ai à peu près répondu. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose sur Histoire d'eau, parce que moi je n'avais pas su quel était le dada, donc ce n'est pas arrivé jusqu'à mon oreille. Sachez aussi une chose qui est très gênante, c'est que il y a des règlements propres à chaque agence de l'eau qui diffèrent d'une agence à l'autre. Et pour vous donner un exemple qui me semble un exemple totalement aberrant, l'agence RMC, donc Rhône-Méditerranée et Corse, par exemple, supprime toutes les subventions pour les collectivités qui refont leur réseau d'eau si, parallèlement, ils mettent en place des énergies renouvelables dessus, c'est-à-dire, pour être clair, s'ils turbinent l'eau potable. Ce qui est, à mon avis, la connerie du siècle, je me permets de le dire très vulgairement, parce que si on veut que dans ce pays on développe les énergies renouvelables et qu'on vous supprime les subventions au motif que vous mettez une turbine pour essayer de faire de l'électricité, donc il y a vraiment des sujets qui relèvent en plus de la gestion interne des agences, qui est différente suivant les agences. C'est un peu les limites de la démocratie différenciée suivant les réseaux, et je me permets de le dire aussi, puisque ça fait partie des... J'ai pondu un rapport sur la montagne qui n'est toujours pas public, mais ça fait partie des aberrations que je souhaite démontrer, parce que c'est complètement contradictoire avec la nécessité de faire des énergies renouvelables, turbiner de l'eau potable, c'est plutôt quand même sympathique, et ça rapporte de l'argent.
Bien. Je crois que notre collègue Patricia Lemoine avait une question. Si ça pouvait être une remarque, ce serait encore mieux. Ça éviterait de redonner la parole aux rapporteurs, même si je les aime beaucoup. Et ça nous permettrait de passer au rapport de Mme Christine Pires-Bouche. Je vais aller très vite parce qu'en réalité, beaucoup de réponses ont été apportées. Moi, je voulais d'abord très rapidement saluer le travail qui a été fait par les rapporteurs et qui permet de bien mettre en évidence le soutien qui est apporté par l'État à nos collectivités territoriales. Ça a été dit, mais je pense que c'est bien de le redire. Je voudrais juste revenir sur le programme 122 et revenir sur la GEMAPI. Ça a été dit, il y a eu un amendement qui a été déposé, non retenu dans le 49.3 sur la nécessité d'avoir un rapport sur la GEMAPI. Je l'avais moi-même déposé l'année dernière. Je le regrette. Je le regrette parce que depuis 2018, et alors que cette compétence a été transférée avec uniquement la possibilité pour les collectivités de lever la taxe GEMAPI, moi j'ai un chiffre à communiquer. 664 EPCI ont levé la taxe GEMAPI en 2021. Je n'ai pas les chiffres 2022, mais en réalité, au regard des investissements extrêmement importants qu'il y a à porter, le constat qu'on peut faire, et je m'appuie sur l'histoire de mon territoire qui est fortement soumis à l'aléa inondation en Seine-et-Marne, et on a vécu des inondations terribles en 2018, eh bien, aura en réalité, au regard de l'ampleur des travaux à mener, il s'avère que cette taxe, elle n'est pas suffisante. Donc, c'est vraiment important que nous puissions avoir un rapport qui mette tout cela en évidence. Deuxième point, qui concerne aussi le programme. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a un travail et la délégation peut aussi s'emparer de ce sujet si ça bloque au niveau de nos ministres. J'avais moi-même d'ailleurs saisi en mars 2023 Gabriel Attal et Christophe Béchu avec un courrier pour les sensibiliser sur ce sujet. J'attends toujours la réponse, je le dis également. Je voudrais revenir sur les événements exceptionnels qui sont en lien aussi avec la GEMAPI. Ça serait intéressant que vous puissiez nous dire si, d'une façon générale, les crédits qui sont inscrits pour les événements exceptionnels ainsi que les dotations aux Outre-mer sont, de façon générale, suffisamment abondés pour faire face aux demandes des collectivités et à un moment où on assiste, notamment depuis ces 3-4 dernières années, à des événements récurrents, tantôt les incendies, les tempêtes, les inondations. Est-ce que vraiment ces crédits sont suffisants ? Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Alors vraiment, peut-être très rapidement. Alors, très rapidement, c'est juste pas à moi qu'il fallait donner le micro. Non, c'est... Non. Pas oui, mais c'est pour ça que je... Mais si, je t'ai vu pour autant. Non, très, très sincèrement. Alors, les crédits sont systématiquement abondés, ce qui n'est pas tout à fait la réponse à ta question, parce que tu demandes s'ils sont suffisamment, mais ils sont systématiquement abondés pour faire face aux événements. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que nous ayons une prévisibilité sur un certain nombre de sujets. J'ai fait quelques remarques, là encore, dans ce rapport sur les zones de montagne qui sont concernées, parce que je souhaite qu'il y ait une prévisibilité. Et le CEREMA a des moyens d'études, pour ne citer que le CEREMA, mais a des moyens d'études et d'investigation qui doivent permettre, ne serait-ce que sur les viabilités routières et ferroviaires, avec des voies ferrées et des routes emportées. On voit ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus de train en Maurienne. Les routes, c'est toujours pas totalement réparé dans les Alpes-Maritimes. Et que ce soit en fonction aussi de la capacité financière de la collectivité locale. Ce qui a été possible, parce que la métropole de Nice peut lever des moyens, ne serait pas forcément possible si la même chose arrivait et si la même chose arrive dans la vallée de la Maurienne ou là encore dans les Hautes-Alpes ou les Alpes de Provence. Donc la question est pertinente. Je crois qu'il faut une prévisibilité non seulement financière mais également sur les zones les plus fragiles, qu'il s'agisse, je connais mieux la montagne que les autres sans doute parce que j'y habite, mais les zones qui sont fragilisées par le changement du climat. Il en est de même sur le trait de côte qui relève de la même logique, j'allais dire, en la matière. Très bien, merci monsieur le rapporteur spécial pour cette réponse concise. Et merci à tous les deux de cet échange. Je crois que c'était éclairant,
y compris quand on vous avait entendu à la commission des finances en direct ou en différé. C'est forcément un cadre un petit peu différent à la délégation et un ton un peu différent d'ailleurs. Merci aux collègues qui ont posé des questions. Merci à vous. Madame la vice-présidente Christine Pires-Beaune, si vous voulez bien nous rejoindre. Tu as le choix entre le fauteuil de luxe et la chaise. Je te préviens, le fauteuil de luxe est très inconfortable, je viens de l'essayer. Tu as remarqué que le président ne prend pas le fauteuil de luxe. On a trop mal au dos. On est mieux là-dessus. Oui, c'est ça. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bien, mes chers collègues, pour cette deuxième partie de nos échanges, on accueille, comme je le disais, enfin plutôt on donne la parole à notre collègue Christine Pires-Beaune sur le filet de sécurité, dont il a été effectivement question, notamment pour celles qui ont pu avoir des mauvaises surprises par rapport à leurs anticipations. L'objectif, c'est surtout de voir si cette politique qui a été mise en œuvre avec, au point de départ, beaucoup de questions de parlementaires et aussi une réponse de la part du gouvernement, si elle a produit ses fruits pour protéger les collectivités les plus impactées par la hausse du point d'indice et par la hausse des coûts de l'énergie. Lesquelles, d'ailleurs, quelles sont ces collectivités? Est-ce que c'est une question de strate? Est-ce que c'est une question de type de collectivité? Et donc, c'est finalement dans le cadre de notre pouvoir de contrôle qu'on se situe ici et de du bon calibrage des moyens qu'on met à disposition des objectifs de politique publique. Merci, chers collègues, Madame la vice-présidente, d'ores et déjà de votre exposé. Pardon. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Perraudeau, donc qui est à la gauche du président, qui vous a préparé d'ailleurs le diaporama que vous avez sur table, et le rapport sera en ligne, mais dans quelques jours, puisqu'il y a encore quelques ajustements à faire. Je vous laisse, Monsieur Perraudeau, passer les slides. Vous avez la main dessus. Ils sont sur table. Parfait. D'accord. Donc, sur le contexte inflationniste qui est apparu fin 2021, en sortie de crise sanitaire attisée par la guerre en Ukraine, ce contexte-là a eu et a encore aujourd'hui des répercussions sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. J'en prends quelques-unes. Éclairage public, chauffage, transport, produits alimentaires, rémunérations qu'on a dû revaloriser. Et évidemment, ça affecte négativement les budgets locaux. Ce sont les communes et les EPCI qui ont été les plus touchés. Selon la Cour des comptes, les dépenses d'approvisionnement en énergie pour les communes et les EPCI, c'est 4% des dépenses réelles de fonctionnement. Au global, 4,4 pour les communes, 2,1 pour les EPCI et seulement 0,5 pour les départements et les régions. C'est d'ailleurs ce qui avait justifié qu'on exclue les départements et les régions. Ce constat m'a conduit, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificatives, rappelez-vous, on était à l'été 2022, à déposer donc un amendement qui institue un filet de sécurité pour les communes et leurs groupements sous la forme d'une dotation alimentée par un PSR. Le dispositif proposé par cet amendement était semblable dans son principe à celui que nous avions créé en juillet 2020 avec la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour compenser aux communes et à leurs groupements, sous certaines conditions, les pertes fiscales et domaniales économiques liées évidemment aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Au terme d'une concertation qui a été large avec les groupes parlementaires et les associations d'élus locaux, le gouvernement avait repris cet amendement comme base d'élaboration d'un nouvel amendement qui avait alors été redéposé par Jean-René Cazeneuve et moi-même et qui a été adopté en seconde délibération. Je tiens à dire toutefois que le dispositif final tel qu'il est ressorti de la navette parlementaire est éloigné de la proposition originelle qui était la mienne sur les critères d'éligibilité et d'attribution. Et j'y reviendrai tout à l'heure. La loi de finances rectificative pour 2022 a ainsi institué une dotation pour les communes et les groupements évaluée à 430 millions d'euros au titre d'un soutien exceptionnel face à la hausse des prix de l'énergie,
des produits alimentaires et à la revalorisation du point d'indice. C'est ces trois critères-là qu'on avait voulu compenser. Pour rappel, le bureau de notre délégation du 3 août a décidé de constituer un groupe de travail sur le suivi de la situation financière des collectivités et des compensations financières, comprenant un membre de chaque groupe. Le groupe de travail a effectué le suivi de ce filet. Nous avons auditionné les associations d'élus. Nous nous sommes saisis du projet de décret d'application. Et à l'initiative de Thomas Cazeneuve, qui était alors président de la délégation, nous avons échangé avec le cabinet délégué du ministre délégué, donc Gabriel Attal, ce qui nous avait d'ailleurs permis de formuler certaines remarques auprès de Bercy et de la DGCL, des remarques qui ont enrichi dans la version qui a été transmise au CFL, le projet de décret, en particulier parce qu'on a pu rattraper les surcoûts liés aux délégations de services publics et on a pu faire intégrer les budgets annexes. Un point d'étape a été réalisé en juin dernier, à nouveau avec le cabinet du ministre des Comptes publics et avec la DGFiP. Le groupe de travail a également étudié l'opportunité de prolonger le filet de sécurité en 2023, compte tenu de la persistance de fortes tensions sur les prix d'approvisionnement en énergie et plus particulièrement en électricité. Les auditions qui ont été menées par le groupe de travail auprès des associations d'élus à l'automne 2022 ont montré qu'il était nécessaire de reconduire ce filet de sécurité. Ce qui a été fait, la loi de finances pour 2023 a mis en place ce filet de sécurité, mais j'attire votre attention avec une architecture différente pour ce nouveau dispositif, ce qui peut apparaître a priori critiquable, entre guillemets, parce que d'abord, quand on met un dispositif, c'est bien de l'évaluer pour voir si on le prolonge, ce qui n'a pas pu être fait puisqu'on fait aujourd'hui seulement le point sur le dispositif 2022. Et puis pour les élus locaux, c'est toujours mieux d'avoir une visibilité. Et quand on est éligible au filet 2022 et qu'on connaît les critères, on peut plus facilement élaborer un budget sur le filet 2023. Donc la DGFiP a publié il y a quelques semaines en annexe de l'arrêté de répartition la dotation qui a été attribuée. Les chiffres définitifs sont donc connus. Notre ex-collègue Thomas Cazeneuve est devenu ministre et donc le nouveau président de la délégation que je remercie m'a demandé de vous présenter ce bilan aujourd'hui. Le premier enseignement qu'on peut tirer de la répartition, c'est évidemment le faible nombre de collectivités bénéficiaires, notamment au regard des estimations et des études d'impact, entre guillemets, qui avaient pu être faites. C'est vrai qu'à un moment, on était à 22 000. Ça, c'était pendant l'examen du texte. Puis on est redescendu à l'été. Puis on est descendu à 11 000 à l'automne 2022. Et enfin, 8 000 au moment du décret. Et au final, c'est un peu moins de 3 000, puisqu'on a 2 941 communes et interco, soit 6,5 qui en ont bénéficié. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? J'ai envie de vous dire, il y a des raisons objectivement positives qui font qu'on a moins de communes qu'escomptées à un moment. Les deux raisons positives, c'est parce que le prix de l'électricité a été moins important que ce qu'il avait été prévu, et donc forcément la perte est moindre, ça c'est une bonne nouvelle, que les budgets des collectivités ont été résilients dans leur ensemble, avec une moindre, donc je l'ai dit, augmentation des dépenses d'énergie, plus 27% quand même, mais on avait prévu beaucoup plus entre 2021 et 2022, et une dynamique aussi des ressources fiscales, puisque selon la DGFiP, le produit des taxes foncières sur les propriétés bâties a progressé de 6,1% entre 2021 et 2022. 6,1%, ce n'est pas la hausse des taux. Je vous rassure tout de suite, c'est 50%. Pour 50%, c'est la revalorisation des bases. Pour 30%, c'est les taux. Et pour 20%, c'est l'augmentation physique de l'assiette. Et si les dépenses de fonctionnement ont sensiblement augmenté en 2022, plus 5,8%, donc je vous ai dit plus 6,1% pour les produits de taxes foncières, plus 5,8% pour les communes, plus 5,4% pour les EPCI à fiscalité propre. Le secteur communal a donc vu son épargne brute progresser de 5,8% selon l'OFGL. Si je vous dis ça, c'est parce que ce critère-là de progression de l'épargne brute, évidemment, il a compté, puisque l'éligibilité était principalement conditionnée par une baisse
très significative, hein, puisque c'était au moins 25% de l'épargne brute entre 2021 et 2022, ce qui peut aussi expliquer le nombre faible de bénéficiaires. Alors, on peut évidemment se réjouir de la situation financièrement et globalement satisfaisante pour les collectivités locales dans les comptes administratifs 2022, mais attention, et je vous renvoie à l'étude de la Cour des comptes qui nous a été présentée la semaine dernière et qui fait que les collectivités vont rentrer en zone de turbulence plus ou moins forte selon les collectivités. Dans les faits, si le critère de richesse prévu dans le dispositif se justifie pleinement, le seuil qui a été fixé pour la baisse de l'épargne brute était à mon avis trop strict, et c'est pour ça que je vous parlais de différence par rapport aux critères retenus par rapport à ce que j'avais pu proposer, sans qu'au final soit pris en considération vraiment l'impact réel de la hausse des coûts de l'énergie ou des produits alimentaires sur les dépenses de fonctionnement de chacune des collectivités. Alors, la répartition des bénéficiaires de la dotation en fonction de leur taux d'épargne brute montre que le filet de sécurité, et ça, c'est les résultats qui peuvent nous permettre de le dire, c'est adressé d'abord aux communes et groupements présentant un taux d'épargne brute inférieur à 15%, voire 10% pour les communes de plus de 100 000 habitants et les petites communes de moins de 500 habitants. Donc, aux communes en difficulté, mais pas forcément les plus touchées par l'inflation. Ce faisant, le dispositif a aidé les collectivités en difficulté passagère, indépendamment de l'existence ou de l'absence de mesures internes pour régler ces difficultés. Et là, par exemple, une commune qui aurait augmenté largement ses taux de fiscalité aurait d'elle-même permis de résoudre le problème de la hausse des charges inflation, énergie, alimentaire. Les autres constats tirés de l'analyse des acomptes et de dotations allouées aux bénéficiaires confirment les contours clairs-obscurs du tableau que l'on peut dresser du filet de sécurité 2022. 4177 acomptes ont été versés en 2022. Donc, vous voyez qu'il y a plus d'acomptes déjà que de collectivités bénéficiaires au total. Pour un montant total d'acomptes de 106 millions d'euros, la moitié des acomptes sont des montants modestes, entre 1 000 euros, puisque c'était le plancher fixé par le décret, et 3 816 euros. Ils ont été demandés majoritairement par des syndicats intercommunaux et des petites communes. Or, au final, plus de 4 acomptes sur 5 devront être restitués à l'État. Dans 4 départements, c'est même la totalité des acomptes qui devront être remboursés. Seulement 499 communes et 264 interco, soit 18%, ayant perçu un acompte, sont éligibles à la dotation. Ça veut dire qu'à ces chiffres-là s'ajoutent des communes et des EPCI, 763 bénéficiaires au total, qui n'avaient pas demandé d'acompte, mais qui sont pourtant évidemment éligibles. Parmi ces bénéficiaires, se détachent particulièrement en proportion de leur strate, comme en montant de dotation, les communes de 10 000 à 100 000 habitants, notamment celles en périphérie des grandes métropoles. Quelques exemples en région parisienne, Bobigny, Évry, Massy, Corbeil-Essonnes, Drancy, Sevran. Dans le nord, Maubeuge, Douai, Waterloo, voire certaines grandes villes de plus de 100 000 habitants comme Lille, Le Mans ou Nancy. L'épargne brute de ces communes a baissé, mais reste significativement positive. C'est même la strate qui conserve en moyenne le taux d'épargne brute le plus élevé. On constate que la dotation en valeur absolue, mais aussi par habitant, est en moyenne plus élevée dans les départements urbains que dans les départements ruraux. Le montant moyen de la dotation, 138 024 euros, 5 fois plus élevé que le montant médian, 20 000 euros, confirme ces fortes disparités. En outre, le taux de couverture, et je m'arrête là-dessus un peu parce que ce taux de couverture qui n'était pas un critère, mais peut-être qu'il faudrait qu'il le devienne à l'avenir, le taux de couverture de la perte d'épargne brute moyenne par la dotation moyenne filée est nettement plus élevé pour les collectivités de plus de 100 000 habitants, puisqu'on attend même pour les communes de plus de 100 000, plus de 100%, on est à 101%, c'est une moyenne. En même temps, elles sont que 7, plus de 100 000 à avoir bénéficié du filet, je préfère le dire, que dans les communes de 500 à 3500 habitants où ce taux de couverture est de 62%.
Le coût total du PSR s'élève, au moment où le décret a été pris, à 405,9 millions d'euros. Il est un tout petit peu plus important aujourd'hui parce qu'il y a eu des réclamations, à juste titre, notamment, je pense à la commune de Vierzon, qui avait inscrit dans ses recettes l'acompte perçu. Et donc forcément, voilà, ça faussait un peu le calcul, donc elle devient bénéficiaire. Donc on est à un petit peu plus, je vais vous donner aujourd'hui le chiffre que j'ai, si je le retrouve. Et je vais le retrouver. 413 millions au lieu de 405. Donc le coût total 405, légèrement inférieur à la prévision du gouvernement qui était de 430 millions, mais avec un nombre de bénéficiaires presque 10 fois plus faible que celui attendu. Autrement dit, certaines communes ont bénéficié d'une dotation très importante, tandis que d'autres, subissant également les effets adverses de l'inflation, en ont été évincées de fait des critères très restrictifs qui ont été retenus. On peut conclure que le filet de sécurité a peut-être davantage agi comme un dispositif de péréquation au bénéfice des communes de taille intermédiaire connaissant une baisse marquée, passagère ou déjà constatée depuis plusieurs années de leur capacité d'autofinancement que de compensation des effets de l'inflation. En conclusion, le bilan de l'exécution du filet de sécurité apparaît donc en demi-teinte. À défaut d'avoir pu faire le filet de sécurité pour 2023, faute de disposer des données de celui de 2022 au moment du vote, il convient, je pense, aux législateurs de tirer les enseignements de la mise en œuvre de ce dispositif, y compris peut-être en le comparant aux deux autres dispositifs mis en place pendant la crise 2020-2021, y compris au niveau du système d'acompte qui, effectivement, se révèle pas très efficient. Je vous remercie. Très bien. Merci, Madame la rapporteure, pour l'exhaustivité de votre rapport. Je pense que c'est effectivement important d'objectiver ces données, car beaucoup de choses ont pu se dire sur ces enjeux. Donc, j'ai une demande de prise de parole de... Alors, monsieur Battu, s'il vous plaît. Commence. Merci, monsieur le Président. Juste une petite question, Madame la députée. J'ai 233 communes, donc pas mal de communes qui ont été impactées par cette crise énergétique. Et il apparaîtrait que dans les critères pris en compte dans le dispositif, les contrats de prestation de services et de fourniture, que ce soit pour l'énergie ou pour la nourriture, ne soient pas pris en compte. Est-ce que c'est un problème d'écriture comptable ou c'est un problème qui a été laissé de côté par la DGCL ? S'il y a trois questions, je vais répondre tout de suite. Alors ça, moi, je l'avais signalé au moment du décret parce que effectivement, quand vous êtes en régie, vous achetez vous-même les fournitures alimentaires, vous subissez l'inflation sur les fournitures alimentaires, vous subissez l'inflation sur les fours puisque vous faites la cuisine centrale, vous faites vous-même les repas. Quand vous passez par un prestataire, c'est un autre compte comptable qui est activé. Et ce compte n'était pas effectivement répertorié. Je l'avais signalé en amont. Et voilà, on nous a dit que c'était beaucoup trop compliqué de rentrer. Donc la DGFiP n'a pas pris en compte ce critère très clairement. Ce qui, moi, me paraît injuste parce que, voilà, quand vous avez une cantine scolaire, vous avez une cantine scolaire, que vous la fassiez en régie, ce qui est très bien. Moi, je plaide pour les régies quand c'est possible. Voilà, c'est très bien. Du coup, là, vous avez pu avoir un remboursement peut-être si vous remplissiez les autres conditions. Si vous passiez par un prestataire, ce n'était pas le cas. Mais c'est pire que ça, parce que si vous aviez une cuisine centrale mutualisée au sein d'un EPCI, c'est le cas donc je connais très bien le problème, la commune paye la prestation à l'interco, ce n'était pas répertorié, et donc c'est la commune, entre guillemets, qui fait la prestation, qui s'est fait même un peu de gratte, puisque finalement elle a fabriqué les repas pour la commune voisine qui, elle, n'a bénéficié de rien. Voilà. C'est compliqué à prendre. Par contre, je comprends que ce soit très, très compliqué à prendre en compte, parce que ça demande de rentrer dans un détail qui est, y compris, celui du mode de gestion choisi par chaque interco et chaque commune.
Il y a un impact sur les finances des collectivités par rapport à aux cantines, comme vous l'expliquez, mais le sujet est beaucoup plus impactant par rapport à l'énergie, c'est-à-dire qu'on a des communes qui ont des contrats de services et de fournitures dans lesquels vous avez le coût de l'énergie, mais le coût du service aussi qui rentre dedans, qui sont dissociables sur les factures et que la DGFiP n'a pas voulu dissocier. Donc toute cette facture énergétique d'une commune qui a que ça, qui chauffe tous ses bâtiments via des contrats de fourniture et d'énergie, n'ont pas été prises en charge dans le cadre du filet de sécurité. Alors ça, je ne vais pas vous répondre parce que pour moi, elles sont prises en charge. Pour le coup, les fournitures d'énergie, quelles que soient, me semble-t-il, la nature du contrat, devraient être prises en compte. Mais peut-être que vous avez raison. En tout cas, moi, ça, je ne l'ai pas identifié. Mais je suis prête à poser la question à la DGFiP. C'est des comptes qui sont à part. Vous avez un compte énergie, alors je ne suis pas comptable. Vous avez un autre compte qui est un compte de services et fournitures d'énergie. Et ce compte-là, ils n'ont jamais voulu l'intégrer. Alors c'est vrai que dans ce compte-là, on a le service, on a la fourniture. Et la fourniture, elle est dissociable sur les factures parce qu'il y a des histoires d'équation qui sont imbuvables. Là. Ils auraient pu le ressortir à toutes ces communes. Alors, moi, je ne soutiens pas ce mode de chauffage ou de contrat d'énergie, mais toutes ces communes qui sont sur ce mode de chauffage, par exemple pour des piscines, ce qui paraît logique, ça n'a pas été pris en compte dans le filet de sécurité. Et c'est quand même des sommes, si je compare deux communes de ma circonscription, une qui gère directement les cantines et le chauffage, et l'autre qui est en contrat de service aussi bien sur les cantines que le chauffage, on passe d'un côté 300 000 euros de filet de sécurité à de l'autre côté 60 000 euros. Donc il y a un delta quand même de 240 000 euros avec un budget à peu près équivalent. Très bien, merci pour votre intervention, mon cher collègue. Madame Ferrari, vous n'êtes pas encore intervenu. Merci, Monsieur le Président. Non, alors, d'abord, merci pour ce rapport qui nous permet d'objectiver la situation parce qu'on entend beaucoup de choses. Dans le rapport tel que vous l'avez pointé, donc, c'est vrai qu'il faut se réjouir en fait, du fait qu'il y ait peu de communes. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait qui a été concerné. Et on voit par contre que la cible budgétaire, elle est... On est dans les purs, 430 millions, on va être à 413 là aujourd'hui. Donc on voit qu'on avait à peu près prévu la masse. Donc effectivement, vous avez rappelé les raisons qui conduisent à avoir si peu de cibles éligibles de 1900 unités. Prix de l'électricité qui a baissé, le budget des collectivités qui ont été résilients dans leur ensemble, dynamique des ressources fiscales. Moi, je voudrais dire aussi que nos communes ont fait beaucoup d'économies d'énergie sur cette période. Et il faut rendre un hommage au travail qui a été fait par nos élus locaux. J'ai des nombreuses communes qui ont vraiment fait attention au fonctionnement, qui ont aussi, avec leurs administrés et les utilisateurs des bâtiments publics, expliqué les bonnes pratiques. Et puis aussi, c'est ce que j'ai pu observer sur mon territoire, des contrats collectifs qui étaient souscrits, notamment par les syndicats, ce qui est le cas chez moi, le syndicat d'électricité et d'énergie de la Savoie, qui a permis de protéger nos communes. Donc ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aide davantage nos communes à aller vers des contrats collectifs qui soient plus prévoyants pour l'avenir? Voilà, c'est la première chose. Deuxièmement, on n'a pas eu d'aide pour les communes qui utilisaient le gaz. Or, on voit aujourd'hui, moi, j'ai des communes chez moi qui sont en grande difficulté parce que si elles ont pu être aidées sur l'électricité pour certaines ou couvertes par un contrat commun, en revanche, sur le gaz, ça a été des factures vraiment très impressionnantes, où on n'avait pas prévu de dispositif d'aide aujourd'hui. Et donc, une interrogation sur ce qu'il faut faire pour l'avenir, au-delà du fait de les aider à investir. Si elles ne sont pas en mesure de porter ces investissements rapidement, est-ce qu'il ne faudra pas, à terme, pour les hivers que nous aurons à passer, les aider peut-être sur un filet gaz? Voilà, en tout cas, ça serait une idée qu'il faudrait que nous explorions en fonction des besoins. Et puis, la dernière remarque, on voit qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est extrêmement important d'investir également dans la production d'énergie pour nos collectivités, en autoconsommation ou en revente. Il y a beaucoup d'expérimentation et de projets qui se mettent en route sur les territoires avec des SEM, par exemple, de développement des énergies renouvelables qui sont en train de poindre sur les territoires. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles formes, j'ai envie de dire, de sociétés qui aident nos collectivités à investir pour la production d'énergie? Merci. Merci, Madame la rapporteure. Vous avez la parole.
Alors, sur la dernière question, c'est pas du tout l'objet de mon rapport, mais j'ai quand même eu, ouais, je pense que oui, oui, ça serait bien qu'on cible effectivement ces investissements, évidemment. Alors, si je reprends les trois remarques, sur l'enveloppe des 430 millions, vous dites qu'elle était bien calibrée, oui et non. En fait, elle était bien calibrée pour 3000 collectivités bénéficiaires, mais au départ, elle avait été calibrée, je vous le rappelle, pour... plus de 10 000 collectivités, ça, et avec les règles qui avaient été définies. Ça veut dire que, heureusement, effectivement, qu'on a beaucoup moins de bénéficiaires parce qu'il aurait fallu rajouter beaucoup, beaucoup plus d'argent avec les règles, puisque, vous savez, c'était un pourcentage qui avait été défini. On prenait la valeur du point, la masse salariale à temps, l'alimentaire à temps et l'énergie à temps. Donc, voilà, l'évaluation n'était pas forcément très bonne, mais je reconnais que c'est très, très compliqué à évaluer. Sur les collectivités, les contrats collectifs, moi, je n'ai pas fait d'expertise là-dessus, mais c'est peut-être un sujet dont la délégation pourrait s'emparer, parce que oui, ce serait intéressant de comparer, de faire un comparatif entre les contrats, vu ce que pèse l'énergie et vu les coûts qu'on a devant nous. Ce serait peut-être un sujet intéressant à faire pour ne serait-ce que conseiller peut-être ensuite les bonnes solutions aux collectivités. Alors, quand vous dites le gaz n'a pas été pris, vous parlez de l'amortisseur électricité. Oui, parce que sinon, les dépenses de gaz dans le filet de sécurité, elles ont été prises comme le reste, puisqu'on n'avait pas fait de distinguo entre électricité, gaz ou bois. Hein. Et dernière remarque que je ferai, c'est que on a les communes qui ont pu ou qui ont voulu augmenter de manière importante la fiscalité et donc qui ont eu des recettes qui ont permis de prendre en charge et de supporter l'inflation, la valeur du point et qui donc étaient hors critères et n'ont pas eu d'aide. Et puis, on a celles qui n'ont pas fait ce choix-là et qui ont connu de fortes hausses et qui ont été aidées. Voilà. Alors, ça pose la question du contribuable local ou contribuable national. C'est cette question que ça pose quand même. Et donc, je ne sais pas faire autrement non plus. Je n'ai pas de solution miracle. Mais ce serait peut-être bien de comparer, encore une fois, les trois dispositifs qui ont été mis en place et de voir, et le quatrième qui arrive, et je ne sais pas ce que donnera ce quatrième, puisqu'on a changé les critères. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera moins bien? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le taux de couverture plaide, à mon avis, et devrait être un indicateur. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous avez des taux de couverture supérieurs à 100%, ça veut dire que vous êtes allé au-delà des effets qu'on avait voulu compenser. Donc c'est alors que certaines ne sont qu'à 62%, ou même que certaines étaient peut-être en limite d'un critère et n'ont rien eu du tout. Donc voilà, je pense qu'on a encore du travail devant nous, d'expertise pour améliorer les futurs dispositifs ponctuels de sécurité. Merci Madame la rapporteure. La dernière question, Monsieur Gabriel Amar. Oui, d'abord vous remercier, collègues, pour ce bilan. Je suis d'accord avec vous. Je pense que, à propos de ce que vous avez dit sur l'épargne brute, par exemple, et quand on prend un peu de recul globalement sur la question de l'épargne brute, on voit qu'elle s'est quand même sévèrement dégradée de quelques 25%. Donc, moi, je voudrais qu'on soit assez attentif, même si on peut avoir dans l'eau des collectivités qui avaient des capacités de désendettement assez soutenu, peut-être parfois trop soutenu par rapport à ce qu'il est raisonnable de faire en une seule année sur l'épargne, sur la section de fonctionnement. Ma question porte sur les budgets annexes, et notamment le budget annexe de l'eau, parce que je rappelle qu'en la matière, nous sommes sous le coup de ce qu'on appelle vulgairement la règle de l'eau paye l'eau. Vous avez dit à un moment donné que nous avions su faire évoluer le dispositif pour intégrer les budgets annexes. Je voulais savoir si j'ai bien compris, d'une part, quelque chose m'a échappé. D'autre part, qu'est-ce qu'il faut penser de comment ont été réellement pris en compte les budgets annexes? Parce que je rappelle que, et puis maintenant avec le transfert aux communautés de communes qui sont quand même particulièrement marquées sur la compétence eau et assainissement, vous savez que les budgets généraux, enfin le budget principal, ne participe pas au budget annexe de l'eau, au budget annexe de l'assainissement.
Donc du coup, quand on a pu observer en pleine phase inflationniste des factures qui se présentaient aux régies publiques, comme aux délégataires privés, qui pouvaient aller de 100 à 500% d'augmentation par rapport à la facture précédente, comment vous observez la prise en compte de ces réalités sur des budgets annexes de cette nature, sachant que il n'y avait pas forcément d'épargne sur des régies, peut-être même sur des régies nouvelles ou récentes, puisque la tendance au passage en régie s'est accélérée ces dernières années. Et du coup, comment on n'est pas sans risque que ça se répercute dans la facture de l'usager, si ce n'est à l'année N, mais à N plus 1, quoi. Merci, cher collègue, Madame la rapporteure. Alors, sur les budgets annexes, nous, on n'a pas regardé précisément comment ça avait été calculé, puisque vous savez que les calculs ont été faits par les DGFiP avec, avec Bercy. Moi, je leur fais confiance, pour le coup. Quand je vous dis on a intégré les budgets annexes, oui, ce n'était pas prévu au départ. Et par exemple, des syndicats de transport ont pu être bénéficiaires parce que, qui dit transport, voilà. Les syndicats intercommunaux, les RPI, par exemple, on les retrouve beaucoup dans la liste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une seule fonction, c'est de faire fonctionner l'école. S'ils ont une cantine, eh ben, ils ont été très impactés. Après, il faudrait demander ce détail d'infos qu'on n'a pas, nous, à ce stade, qui est de dire, par exemple, prenons, on peut faire des études économétriques peut-être sur 2-3 territoires pour voir comment ils ont été pris en compte. Ça, je ne l'ai pas fait. Ça rejoint, je suis pas allée dans le niveau, voilà. C'est deux alertes. Moi, je veux bien retourner voir Bercy pour savoir comment ça a été. Et si vous avez un exemple d'ailleurs à me donner, je peux même donner et on regardera précisément. Juste du tac au tac, les exemples que vous prenez là, il y a des participations de l'autorité organisatrice ou de la collectivité qui a créé ou des collectivités qui participent au syndicat ou au pays. Là, vraiment, on est dans le budget annexe étanche, en fait, et qui ne bénéficie pas habituellement de participation financière autre que des subventions à l'investissement, des financements d'agences de l'eau ou des recettes tarifaires. Donc là, je ne vois pas quel est le tuyau financier qui a permis de faire face pour des raisons juridiques, en fait, et comptables en matière de M49 et de budget annexe de l'eau. Voilà. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit eux qui aient le plus souffert de ce que nous avions identifié, c'est-à-dire la hausse des produits alimentaires, la hausse du point d'indice. Je ne suis pas sûre que ce soit dans ces syndicats-là qu'il y ait le plus de personnel, parce qu'ils ont souvent effectivement des contrats. Et le troisième point, c'est l'énergie. Et là, ça a pu les impacter fortement. Parce que c'est ça que nous avions identifié dans le... Puisque vous nous proposez d'approfondir et d'interroger Bercy. Non, je suis obligé de réagir. En France, en matière d'eau et d'assainissement, il y a 3/4 de régies publiques. Et seulement 1/4 de délégataires à des concessions, sous forme de concessions ou d'affermage. Il faut sortir des idées reçues que c'est Veolia et Suez qui gèrent l'eau en France. Non, ils n'ont qu'un quart des services. Donc on a un vrai problème de l'impact de l'énergie et des factures d'électricité sur la facture d'eau de nos concitoyens sur cette année-là et sur l'année 2023, sur lequel je reste dans le doute qu'ils aient pu bénéficier du filet de sécurité. C'est pour ça que je vous interpelle et je vais m'empresser en sortant de la réunion de trouver 2-3 exemples ruraux et métropolitains ou de communes moyennes. Non, mais je regarderai au niveau de la métropole de Clermont et de la ville de Clermont, puisqu'ils sont en régie, me semble-t-il. Donc, je vais regarder ce cas-là précisément. Oui, mais je vais vous en donner 2-3 autres. Merci. Bien, merci, mon cher collègue. Débat très intéressant, mais dont on a bien compris qu'il se poursuivrait dans d'autres enceintes. Madame la rapporteure, avant de conclure, vous avez notamment évoqué le fait qu'il y avait 7 communes de plus de 5 000 habitants. Oui. Qui étaient concernés. Est-ce que vous pourriez nous les donner ? Vous les avez ou pas du tout ? Oui, elles doivent être dans le diaporama, me semble-t-il. Ah non, je n'ai pas vu. Lille, Nancy. J'ai vu un grand tableau. Le Mans. Ah, c'est les premières. Là, ah, voilà. D'accord. Autant pour moi.
Très bien. Bien, bah, écoutez, merci à vous. Merci, Madame la rapporteure. Et dans, pour être complète, dans celles qui doivent rembourser, notamment celles qui doivent le plus rembourser, vous avez la métropole de Nice qui doit rembourser 3,8 millions, la ville de Nice qui doit rembourser 2,7 millions, Le Mans non est bénéficiaire, pardon, Nanterre qui doit rembourser 1,2 million, Grenoble 1,2 million, Bondy 1,160 million, voilà les plus grosses sommes. Juste si vous me permettez, vraiment, Monsieur le Président, c'est juste pour réagir. Vous donnez Nice typiquement, la régie de la métropole de Nice a forcément été impactée. Et elle doit rembourser l'acompte. Et elle a été impactée sur son budget annexe de l'eau. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Parce que si là, moi, je suis désolée, mais non, si les taux de fiscalité. Il faut le regarder. Parce que si les taux de fiscalité ont été augmentés, et si vous avez. Puisque, quand même, tout à l'heure, quand vous dites l'épargne brute a diminué entre 2022 et 2021, non, l'épargne brute entre 2022 et 2021 a augmenté de 5,8%. 5,8%. Ça, c'est les chiffres de l'OFGL qui viennent de paraître. Donc, forcément, quand vous prenez un critère d'éligibilité sur l'épargne brute de baisse et que vous avez en moyenne, parce que ce sont que des moyennes, une hausse, ça a un impact. Très bien. On va... Très bien. Si, j'ai bien compris. Il y a un budget annexe de l'eau qui est un budget autonome s'il avec vous plaît, une régie. On va terminer notre séance. Et je ne doute pas que vous saurez vous rencontrer pour continuer les échanges. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel après-midi. Et donc, merci encore une fois, Madame la rapporteure, pour l'excellence de ce travail qui appellera très vraisemblablement d'autres rapports pour les exercices prochains. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.